Et ça touche pas, on se retrouve pour la suite du championnat 1997 de Formule 1 sur le circuit de Vanicourt en France. Donc 8ème manche de la saison. On va continuer sur la bonne lancée, enfin en tout cas on va essayer, même si ça va être un peu plus compliqué ici, parce qu'on a un circuit qui est quand même beaucoup plus technique et beaucoup plus lent. Au niveau de la config de la voiture, je pense qu'on va du coup remonter un peu les appuis. On va mettre 35%, force d'appui arrière on va mettre 20 à peu près, 24, 25, ouais 24, je pense que ça devrait être bon. Câble remettre un tour, ça sert à rien. Et on va faire du coup passer la session, on va lancer les qualifications. Donc le Grand Prix de France, ouais, qui a eu lieu pour la dernière fois en 2008, enfin, en tout cas ce circuit, hein, puisque bien entendu depuis quelques années il y a le retour du Grand Prix de France au Castellet. Techniquement j'ai jamais aimé les circuits français, maintenant sur le Castellet. Alors le Castellet si j'aimais bien, mais avant qu'il soit refait, dans les années 2004 je crois. Et Manicourt, par contre pour ce qui est Manicourt, je ne l'ai jamais aimé, en tout cas à la télé. Il y a eu quelques courses sympas certes, mais de manière générale, m'intéressait pas du tout. Parti. Après c'est un circuit très technique bien sûr. Donc on est avec là, ici, et bah, l'ancien dernier secteur hein, qui a changé entre temps. Je crois qu'il a changé en 2004 ou 2005 peut-être, quelque chose comme ça. Donc c'est parti, on va essayer de faire le meilleur temps possible, ça va être difficile, hein, vraiment. Canada c'était un petit peu le côté amusement parce qu'il y avait pas beaucoup d'appui à mettre. Alors il y aura d'autres circuits comme ça, hein, il y aura Monza, il y aura Hockenheim. Mais là, le Grand Prix de France, ça va pas du tout être la même. Donc je sais quel tour je fais au mieux. L'un des problèmes auxquels les pilotes doivent faire face. Il va falloir au moins de s'en rapprocher. Leur visière se stabilise vite en mais bon, on va bien voir sûr, ce que ça donnera en qualification. Difficile de voir au travers, ils peuvent retirer l'une des feuilles transparentes détachables qui recouvre la visière. Alors déjà, pour parler de la chaîne rapidement, première mauvaise nouvelle en fait. la télévision jeu est bien reçue, mais elle ne marche pas. Écran vert. Lupiote vert orange qui indique qu'il y a un dysfonctionnement. Alors le problème des télévisions cathodiques, c'est que bah, quand on l'ouvre, c'est plutôt dangereux. On peut prendre le jus de manière assez forte, quoi. Et du coup, j'ai absolument aucune envie de l'ouvrir. Ce qui fait que techniquement, je ne peux pas la réparer. Donc, au-delà du fait que j'ai perdu de l'argent pour rien, ça m'ennuie parce que du coup, bah, je peux pas faire les vidéos que je voulais faire à la base. Surtout que j'ai quasiment tout prévu autour. J'ai tout récupéré ma collection, récupéré les consoles, préparé les câblages, etc. Et en fait, c'est mort quoi. C'est mort, faut tout recommencer. Enfin, en tout cas, il va falloir trouver une autre télé. Et je sais pas à quel prix on va la trouver. Le bon coin, c'est vrai que ça me permettrait. Alors peut-être qu'elle a bougé dans le transport, hein. Elle s'allumait avant, il y a des photos du mec qui vendait la télé où il y avait le screen, on voyait même jouer à Sonic. Sur Mega Drive, là, que dalle, l'écran s'allume même pas. J'entends un petit boom de l'écran, comme s'il est vouloir s'afficher quelque chose, mais à mon avis, c'est peut-être qu'il y a un truc qui marche pas. Mais bon, je vous le dis, c'est tellement. Je sens pas prendre le jus en fait que ça me bloque complètement dans l'envie de la réparer. Trulli, une 11-9, oui, c'est sur la Prost Mega Honda. Alors, le dernier secteur est assez complexe. Une 13-8, je peux faire bien mieux que ça, hein. Franchement. On va essayer d'améliorer le chrono. Cette année, toutes les écuries ont abaissé le baquet des pilotes pour éviter que la turbulence due à leur... Normalement, j'arrive à le prendre à fond, mais... Enfin, à fond, accélérer à fond, mais là, j'ai pas réussi. Un autre avantage... Trulli 21-7, mais à mon avis, voilà. NK8-4, Villeneuve. Il est en retard au premier temps intermédiaire, mais plus rapide qu'il ne l'était lors de sa meilleure performance. Alors, le problème, c'est que là, je voulais mettre un gros coup de frein et je perds. Je perds la corde. D'ailleurs, Villeneuve qui est à 50. Hein. Pour une prise d'air ovale au-dessus de la tête du pilote. Il sera intéressant de voir les avantages qui en découlent. Je
Alors, je pense que j'ai mieux fait là, en tout cas dans le deuxième secteur et dans le Ok, premier. jetons un œil sur les temps de qualification enregistrés jusqu'à présent. Il est en retard au deuxième temps intermédiaire, mais il a amélioré ses résultats précédents. Je pense que je vais tourner en 1.12. Ouais, 1.12.4, c'est pas mal. Je vais juste voir si je peux encore faire un peu mieux. Ce tour, on ne rattend pas le premier virage. Bon, je vais ressortir un peu plus vite, mais c'est vraiment léger. Il est déjà en retard au premier intermédiaire et il fait même moins bien que lors de ses meilleures performances. Voilà, là j'ai pris la corne, du coup ça peut mieux accélérer. À voir derrière. Quatrième vitesse. Ah, j'ai tout il perdu rétrograde ici. En seconde. J'ai tout perdu dans la chicane là. Il rétrograde en première. Deuxième vitesse. Troisième vitesse. Ouais, moi je suis dans le secteur Quatrième. Pour tenter d'améliorer, mais. Au deuxième temps intermédiaire, il est un peu en retard sur son meilleur temps. Bon là, c'est un peu mieux prié, on va dire. Il passe la quatrième. Est-ce que ça sera suffisant? Ça, c'est autre chose. Ah ouais, je coupe légèrement, mais bon, c'est pas pour me faire gagner du temps, c'est pour être dans la corne surtout. Je fais une 13-3, bon, une dernière tentative, j'ai quand même essayé de faire mieux. Je pense qu'il y a moyen. Et en 1.10, oh mon dieu. Il va moins vite que le meilleur temps au premier intermédiaire, mais il améliore ses chronos personnels. Voilà, je l'ai bien pris. Chicane au fond, il va falloir la prendre et pas glisser sur, sur la partie en herbe. Il est en retard sur le leader au deuxième temps intermédiaire, mais son temps personnel s'améliore. Ok, ça peut être un peu mieux. Ça va dépendre de la dernière chicane. Eh non. Je n'ai pas fait mieux. C'est pas grave, on va faire fin de qualification. On va démarrer du coup. Je vais appuyer le plus vite possible pour qu'on ne voit rien. Pour ne pas voir le temps que j'ai fait. Je vais tourner la tête, vous allez peut-être voir le classement, moi je ne vais pas voir, je vais masquer ce qui se passe devant. Allez, 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 je sais pas, dès que j'entends le bruit, je vais appuyer sur OK, vite possible. Je sais pas si c'est passé ou pas. Ah c'est bon, écran noir, j'ai bien écran noir, c'est bon. OK. Nous sommes à Magny-Cours, près de Nevers, pour assister au Grand Prix de France. Une 8! Est devenu ok! Les écuries estiment qu'il est particulièrement difficile de régler les voitures pour cette piste, étant donné qu'elle est très lisse et regroupe une étrange succession de virages, surtout la courbe très serrée avant la ligne droite de départ. En 1996, ce circuit voyait une nouvelle victoire de Hill, Schumacher ayant cassé son moteur dans le tour de formation de la grille. Je ne vois même pas dans le top. Ah si, quand même! Une 11-9, Verstappen. Est-ce que nous on va faire un temps correct? Ouais, 20ème. On n'est pas dernier, c'est déjà au moins ça. Mais c'était juste, hein. C'était juste pour terminer dernier. Allez, c'est parti. Les pilotes occupent leur place sur la grille maintenant et se préparent au départ. Les feux rouges commencent à s'allumer. Et c'est parti, c'est parti! Il file vers le premier Oula. Virage. Ça s'est étiré, enfin mal étiré justement. J'ai aucun grip là. C'est exactement le genre de... Alors, avoir la vitesse de pointe que je peux avoir, 274, ouais c'est ouf, énorme.
Ouais, j'ai essayé de freiner, mais j'ai glissé un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien? Ouais, bah écoute, on s'avance, on se pète le bide là. Du coup. Allez, bon, on a la prose devant. Je pense que ça va à peu près. Mais bon. Là, j'ai raté mon point. Enfin, mon freinage. J'ai raté complètement le dernier secteur, mais vraiment, c'était ignoble. Voilà, le deuxième tour maintenant, il tourne plus vite que la voiture qu'il a pris en chasse. On va essayer de le couper de l'aspiration. Il recule un peu. Oh, voilà. Je vais me gêner, c'était pas prévu que je la sorte, mais bon, en tout cas, j'ai pris l'intérêt. Classement de la course, à la première place, Michael Schumacher. Je vais réussir à la deuxième place, William passer la Prost, pardon, pas la Ligier, on est pas en 96. Oh, c'est bon ça. Quatrième, Jean Alesi. En cinquième, Eddie Irvine. Que s'est-il passé? Il précède le temps du leader au deuxième intermédiaire. À la sixième place, Mika Hakkinen. Il sait ce qu'il doit faire et il le fait. C'est ce qu'il doit faire et il le fait. Fais gaffe parce que cette phrase ne veut rien dire. En tout cas, j'ai l'impression qu'il perd pas mal de temps à l'épingle. Ce tour va certainement lui permettre de rattraper la voiture qui le précède. Ouais, j'ai réussi à accélérer à fond, bonne corde, ça c'est bon. Bon, j'ai pas assez de vitesse de pointe, mais ça va quand même. Il doit fortement appuyer sur les freins à cet endroit-là. Et ouais, je me suis loupé. Physicala lui a pris une place. Allez, on va prendre l'aspiration, c'est le moment de l'aspiration qui marche quand même dans le jeu, mine de rien. Leur visière se stabilise vite en course. Bien sûr, quand il devient vraiment difficile de voir au travers, ils peuvent retirer l'une des feuilles transparentes détachables qui recouvre la visière. Il a réussi à passer devant Fisichella. Il remonte, c'est sûr. Et maintenant, quels sont les pilotes dans la suite du classement? À la 8e place, Ralf Schumacher. 9e, Mika Salo. 10e. Faire attention à l'accélération ici parce qu'il y a un peu de terre en fait en fin de virage et on essaie, ça m'étonnerait plein de fois de partir en tête à queue instantanément donc on va faire attention. Là j'arrive pas à tenir la corde. Hein. Ouh là. Il cède du terrain. Bah oui, bien sûr, il cède du terrain. Inspiration marche tellement bien. Regardez-moi ça, la Jordan. J'ai pas accéléré assez fort, du coup, je suis encore à la merci de la Jordan. L'écart se creuse. Le problème, c'est que je dois rester sur la trajectoire et à la fois ça leur donne aspiration. Donc. À ce stade de la course, nous sommes à mi-parcours. Bon, aller chercher le Jordan, je pense que c'est un peu. Ça va être compliqué. Les premières positions sont: premier, Michael Schumacher. Deuxième, Hans-Harald Frenzen. En troisième, Williams numéro 1. Il va y aller, hein. En quatrième position, Jean Alesi. Cinquième, Eddie Irvine. Sixième,
Mika Hakkinen. Alors vous ressentez pas, mais quand je touche légèrement l'herbe dans la chicane juste avant là, la voiture se déporte totalement vers l'extérieur. Et du coup, bah, c'est assez chaud à rattraper. Oula, je suis complètement allé poser. Je suis obligé de sortir la trajectoire à chaque fois. Bon, il y arrive quand même. Après, sur lui, t'es avec une Jordan aussi, hein. C'est pas non plus la Minardi. Et qu'il est Minardi pourtant qui est très forte en course. Ok, voyons maintenant comment se placent les pilotes après les 6 premiers. À la 7ème place, Gerhard Berger. 8e, Ralf Schumacher. À la 9e place, Mika Salo. L'écart se creuse. Là, je passe sur la trajectoire, sinon il me double à l'intérieur. L'accélération de la Jordan, c'est impressionnant. En 97, elle avait un serpent, elle n'avait pas encore la guêpe. Même si elle fait plutôt le bruit de la guêpe que du serpent, mais bon. Regardez, derrière, c'est en train de remonter, mais une vitesse. Il recule un peu. J'ai perdu 2 secondes là. Bon, un top 10, je crache pas dedans, hein, c'est... Oh, j'ai failli confondre le virage avec la chicane d'avant, quoi. Les premières positions sont... Premier, Michael Schumacher. En deuxième position, Hans-Arndt Frenzel. En troisième position, et ben voilà. Numéro 1. Ouf, je suis parti complètement à l'extérieur. Jean, allez-y. Attendez, il reste 3 tours jusqu'à la fin de la course maintenant. En cinquième position, Eddie Irvine. Mais en vrai, je me demande si avec la Minardi, Mika Hakkinen. Il vient de heurter Katayama. Ça aurait pas été plus facile. Uchiho Katayama a réussi à passer. Parce que quand je vois la vitesse qu'elle a la Minardi, vous avez vu la vitesse en courbe, c'était assez impressionnant quand même. Eh bah du coup je suis plus dans le top 10, ça devait arriver. Il m'a bien dit qu'il part 21e ou 22e quoi. Hein. Pas oublié. C'est moi ou elle rattrape un pilote là, la Minardi? Ah non, elle rattrape juste... non, personne en fait. C'est la Sauber. Voilà, la vitesse d'attaque du virage, c'est impressionnant. Je peux rien faire contre ça, hein. Franchement, absolument rien. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Et maintenant, quels sont les... Elle a tout, hein. L'accélération, le freinage, la vitesse en courbe. Mais c'est vraiment de ouf, quoi. Mika Salo, 12e. Jarno Trulli. Ah,
Et l'écart se comble. Et c'est marrant, c'est de refaire le championnat avec la Minardi, voir ce qu'on peut faire. Plus qu'un tour à faire. Ou alors comparer avec la Ferrari. Voyons comment se compose le classement maintenant. En tête de la course, Michael Schumacher. En deuxième, Hans-Harald Frentzen. En troisième position, Jean Alesi. En quatrième position, Williams numéro 1. C'est une victoire pour Michael Schumacher. Le résultat de Ferrari va transporter de joie les tifosi. À la deuxième place, Hans-Harald Frentzen. Troisième, Jean Alesi. Bon, bah 11ème place, écoutez, c'est pas trop mal. C'est pas si mal que ça. Honnêtement, j'ai fait une tour en 1-11 d'ailleurs. Ça aurait été un peu mieux en qualification. J'y ai cru, hein. J'ai cru qu'à un moment on pouvait revenir. Au moment là, quand on était dans le top 10, c'est que ça. Ils perdaient du temps là, à l'épingle. Mais en fait, bon, ils en perdaient un tout petit peu. Mais dès qu'ils ont commencé à s'éloigner les uns des autres, c'était trop tard. Bon, j'ai fait une erreur ou deux, mais bon, en soi, j'aurais pas forcément fini dans les points. 30 secondes, c'est pas mal. En tout cas, on s'améliore, hein, vraiment par rapport à ce qui était prévu, en tout cas en début de saison. On s'améliore quand même un peu en termes de temps en brut. Bon, du coup, Schumacher, Frentzen, Alesi, Villeneuve, Irvine, Häkkinen. J'aime bien la 3, 4, 5, 6ème place, elle est tellement serrée. Championnat constructeur, bon, 22 points. Ça ne devrait pas trop bouger normalement de la position si tout se passe bien. Bah écoutez, on se retrouvera donc du coup pour le Grand Prix Silverstone en Angleterre. Je vous dis à la prochaine donc, pour la suite du championnat. Ciao tout le monde!